cessons de constater des phénomènes de plus en plus nombreux et inquiétants qui portent atteinte à notre environnement. Coupures brusques d'électricité, extinction massive d'espèces, nuages polluants et mortels, brutaux changements de paysage, la communauté internationale est interpellée dans son ensemble. La source de ces phénomènes n'est pas encore certaine, mais il semblerait qu'elle se situe parmi nous. Cette menace laisse présager une catastrophe sans précédent pour notre planète et nous-mêmes. Nous ne sommes pas encore en mesure de nous rendre compte de l'étendue des dégâts, mais nous savons déjà que si action il doit y avoir, elle doit avoir lieu maintenant ou malheureusement jamais. L'heure n'est plus aux demi-mesures, mesdames et messieurs. La Terre elle-même nous met en garde. Et le temps joue contre nous. Il est temps de prendre des mesures draconiennes et de se donner les moyens. Ce que nous faisons aujourd'hui résonne dans l'éternité. Bonjour Jean Mignac. Votre mission, si vous l'acceptez, vous infiltrez dans le CEGEC, Centre de gestion de l'énergie et des communications. Nous avons établi, d'après nos informateurs, un lien très étroit entre les récents événements climatiques et un groupuscule d'origine inconnue. Elle va s'associer. Ensemble, nous défendrons notre environnement face à cette menace venue d'ailleurs. Pour sauver le monde. Sophie Mignac. Vous serez en charge de la coordination des opérations. Alors, toujours pas de seul monde ? Oui, mais il faudrait une bonne équipe. Yoris Woozer. Oz Ghost. Hacker expérimenté, capable de déjouer tous les systèmes informatiques. Sa rapidité et son agilité lui permettent de se faufiler, mais aussi de semer facilement ses adversaires. John Tiga. Maître des arts martiaux, maîtrisant les savoirs ancestraux en la matière. Récupérer toute preuve nous permettant d'agir contre ces changements climatiques. Bravo, RAS. Mouvement proche de vous, Delta. Delta, mouvement confirmé. Allons apprendre des suspects. Qu'avez-vous fait à cette planète ? C'est vous qui avez fait quelque chose à cette planète. Je vous fais une confidence, monsieur Oz. Comme vous êtes des virus, je sais pas ce que tout sur vous. Allô, Svetlana ? Oui, John ? Allô ? J'ai une mauvaise nouvelle. Oz s'est fait attraper. Oui, Svetlana, c'est bon, t'as réussi à avoir tous les documents ? Tout à fait. Ouais, ok. Bon, John, maintenant tu t'en vas. D'accord. On se retrouve tous à l'endroit convenu. Et on va tous en sortir, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde une bande-annonce, c'est toujours pareil, c'est la joue fin du monde. En définitive, ça sert à rien. T'as raison. Ouais. Crasta. Allez. Bon, moteur. Action. Nous ne cessons de constater ces consommés dans la gueule pour se faire respecter. Les routes sont
Oui, bah, c'est plus facile. On n'en dirait plus jamais. Et non, c'est vrai. Allons, Svetlana, John. C'est pas demain la veille qu'on va commencer à Oui, mais là, je ne sais pas. Là, tu filmes, bon, alors j'arrête. Ouais, Maurice, il y a les barbelés qui sont rentrés, là. C'est pas un film, c'est un videur habillé en gogoth. Plus qu'un œil en plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient.